Ya, wa, w. W, il est, il est massa crème-skin. Ya, W, net. Ha, ya, W, net. Ha, ya, wa, animal. Ha, ya, l'animal. Et, c'est pour le pluriel. Ha, ya, wa, net. Donc, c'est parti. On commence. Un lion, un lion, quand on dit un lion, quand on accentue ici la prononciation, ça veut dire le lion, c'est comme l'article définit ça. On l'a déjà vu donc j'espère que vous avez appris ça. Donc, c'est le lion, l'exemple c'est le médic, c'est le raba, c'est Ici, c'est avec l'article défini, le lion, oua, il est, ou on peut dire c'est, ou aussi est, le lion est, mais littéralement, ça veut dire il est, le malik, le malik, cest dire le roi, malik, un roi, le malik, le roi, diel, de, l'raba, la forêt. Le rêveur, c'est la forêt. Sibé, c'est-à-dire le lion, c'est le roi de la forêt. Le boa, le boa, le boa, une lionne, le boa, en accentue, ça donne la lionne. le boa, les boa, des lions, les boa, les lions. Exemple. La la lionne, hiya, mraat, sbe, Mraat, c'est l'abréviation de mra diel. Ce n'est pas l'abréviation, mais quand on fait la liaison. Euh, comme par exemple, vous, je vous aime. Il n'y a pas de z, mais ça, ça s'entend en fait. Quand on prononce, on entend un z. C'est à cause en fait, ça vient de, de, la prononce, de la liaison, pardon donc quand, quand on fait la liaison on, on entend le mot et le, le son z pareil ici marat marat le t ici c'est la liaison entre maradiel diel. pour que ça pour que ça soit facile à prononcer on dit marat c'est comme ça c'est marat ça, ça vient de mrat", diel. ça veut dire mara c'est la femme diel c'est deux donc, l'Eboa, la lion, il y a, elle est, Mrad, la femme de sba, le lion. Donc, la lion est la femme de, du lion. Nmer, Nmer, un tigre. Nmora, des tigres. Exemple, qui est Nmer Nmerpzef. Qui i'j'b'ni, n'im'r'b'zef. y'ajub ça veut dire plaire. Plaire. y'ajub Plaire. Qui il plaît. Ni, moi. À moi. Donc, il me plaît. Je l'aime. Qui i'j'b'ni, c'est en parlant de l'apparence. Son apparence. n'mer le tigre, b'zef, beaucoup. Donc, j'aime le tigre. Littéralement, ça veut dire j'aime, mais pas j'aime dans le sens d'une relation amoureuse entre hommes et femmes ou entre... Ce qui est jeune, c'est littéralement, c'est il me plaît. Ça, ça ne se dit pas en français, donc on dit j'aime, j'aime le tiga. Nous, on dit que jevenu il me plaît. Donc, on pour dire que... Et ça, ça se dit aussi pour les êtres humains. Si une fille te plaît, tu dis que tu es jeune, qu'est le parce que ça parle d'une fille donc féminin kei c'est lui donc vous voyez donc elle elle on dit quête. elle elle me plaît il me plaît key key je donc key je par exemple aussi pour la nourriture si tu aimes tu aimes bien une nourriture, tu dis que tu es venu aider le mec là, cette, cette nourriture me plaît. Ça veut dire que j'aime bien. Fed. Euh, pour le guépard, il y a le guépard et le léopard. Euh, moi, perso, je fais pas de différence. Pour moi, ils sont les deux pareils. Donc, euh, c'est pour ça que je les appelle Fed. Pourquoi je dis moi personnellement Parce que, je sais pas, en arabe, en marocain, va... Bah, quand il n'y a pas un mot, bah on, on, on prend un mot de l'arabe. Donc, pour Fed, c'est arabe. Et moi, je connais pas le mot pour. Euh, à part fed, Donc, je connais que Fed. À part Fed, je sais pas. Je ne sais pas comment on peut appeler guépard. Léopard, c'est le Fed. Ça, c'est le Fed. Guépard, je sais pas. Je sais pas comment on peut l'appeler. Donc, euh, Fouhoud. Fouhoud, des guépards. Mais je pense que Fed, c'est mieux parce que qu'il se ressemble, donc c'est mieux. Sinon, il ben, n'y a pas de mot. Je sais pas comment on, on va l'appeler en arabe, donc on va rester bloqué. Donc Pour ne pas rester bloqué, on prend le, 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 le léopard. C'est pareil, ils se ressemblent. Donc voilà. Exemple le Fed fait Sfar au bel le fait, le fait, le guépard, fille en lui, s'far, s'far c'est le jaune. Donc en lui le jaune, ça veut dire il, il a la couleur jaune. Il est jaune. O et mnakat, mnakat ça vient de nokta. Nokta, point. Nokta. donc ça les, les les tâches les tâches noires donc on les appelle ça veut dire c'est un adjectif il contient des, des points on va dire des points noirs c'est ça littéralement qui veut qui veut dire la, la phrase euh, la phrase veut dire pardon donc b lequel lequel c'est le noir avec le noir ou par le noir donc il est ça veut dire il est, il contient des points des, des tâches, des tâches noires. T Tâche on va dire. Donc, voilà. Le fait, le guépard, le léo, le léopard, pardon, euh, il est jaune, ou en lui, il y a du jaune. C'est-à-dire, dans, dans lui, il y a de, du jaune. Vous avez compris, nous, on pense comme ça. Donc, en lui, quand on veut dire. J'ai faim, on dit en moi, la faim, donc c'est en moi, c'est dans mon ventre. Ici, c'est dans son corps, donc il y a le, le, le jaune dans sa peau, donc on dit on a il est tacheté en noir. Fahd, un léopard, Fouhoud, des léopards, c'est pareil. Le fahd, le léopard, le léopard, ça veut dire il est. Pareil maigre ou mince, riquet ou et jerray, jerray ça vient de jerr, courir, jerray c'est un adjectif qui veut dire coureur, donc littéralement c'est coureur, ça veut dire qu'il court très très bien, il court très vite, donc c'est un coureur on dit, donc pour dire qu'il est qu'il court vite, donc il est mince ou il est maigre et riquet ça 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 a les deux sens mais dans ce sens-là, donc il est mince. Et où Nser, aigle. Nser. Nsura des aigles. Nsura. Exemple. Nser, il ou le charisme. Nser, il hiba ou le charisme. Donc, Nser, l'aigle, il a le hiba, comment je vais traduire le hiba Le hiba, il a du caractère, on va dire. Il a du caractère. c'est pas vraiment du caractère, mais, mais il, il, il a du charisme. Du... Il est là, quoi. Donc, il a du caractère, on va dire. Parce que le hiba, quand on dit le hiba, donc, euh, tu es respecté par les gens et les gens euh, ont peur de te, voilà, de te déranger, de te dire quelque chose qui... Que tu vas. Ils ont peur de ta réaction en fait. Comment tu vas réagir. Sans parler, t as, t as du c'est du charisme. Mais ici, le charisme, c'est le, le charisme. Le hiba, c'est que. Les gens te craignent. Voilà. Les gens te craignent. Euh, je sais pas comment on va traduire ça, mais si vous avez su le mot, dites-le moi en commentaire. Donc, le hiba, c'est du caractère, on va dire. C'est pas vraiment du caractère, du du caractère chersiyya, hindou Je vais l'écrire ici. Mais avec, oui. Chersiyya. Chers. Hindu chersiyya. Ça, on ne peut pas le dire pour un animal. Il a du caractère pour un animal, ça ne se dit pas. Chersiyya. parce que chersiyya, ça vient de chers, une personne. Chersiyya. Une personnalité. Donc, on dit, il a une personnalité, ça veut dire, il a du caractère. Un de Donc, voilà. Quand je connais pas le mot, bah, j'essaie d'expliquer en détail pour que vous compreniez. Après, c'est à vous de, de me dire le mot, le mot exact en français. Bouma. Un hibou. Boumèche des hiboux. Exemple, Neri, le Neri, le Ça, c'est vrai. Neri, oh mon dieu. Le l'ibo, c'est faire peur. elle fait peur. Donc un ibo, nous, c'est féminin. Donc elle, boum elle, quête donc on n'a pas dit kei on a dit ket ket parce que c'est féminin elle bouma ket a b avec donc les autres qui, ont, qui sont là-bas les yeux les qui anda euh, donc da, c'est elle donc euh, les yeux qu'elle a avec ses yeux qu'elle a donc elle fait peur avec ses les yeux qu'elle a donc les yeux on va dire donc c'est parce qu'ils qu sont là-bas, chez, chez elle en fait. Dans son corps, c'est pas à côté de moi. C'est pour ça on lit qui sont là-bas. Head, head, ça veut dire c'est ». qui sont ici, proche de moi. Head, label par exemple, ces trucs-là. Khoufèche, yeah, Khoufèche. <laughs> ah, j'aime pas, ouais une chauve-souris. des chauves-souris. Exemple, me'ndish mal refèche Kijini Donc, me'ndish, ma, c'est une expression qu'on a déjà vue. la chauve-souris. Je n'ai pas avec la chauve-souris, c'est une expression pour dire, c'est pas mon truc, j'aime pas. J'aime pas. Kijini. Kijini, ça veut dire, je trouve que. Je le trouve. Kijini, littéralement, ça veut dire il me vient. Kiji, il vient et ni à moi. Donc il me vient. Khaib, ça veut dire moche. Khaib, moche. Kijini, Khaib, je le trouve moche. C'est ça. Je le trouve. Nous, on dit je trouve quelque chose en français. Tu as, tr as trouvé quoi Tu cherchais quelque chose, tu l'as trouvé. C'est une expression. Donc pareil ici. Qu'est-ce qui me vient Il me vient. Ça ne veut rien dire il me vient. Mais c'est une expression pour dire. Je le trouve. Kijini, parce que Kay, c'est il. Si c'est tu parles d'une chose féminin, donc tu dis Ket, Ketjini. Elle me vient. Mais là, c'est chauve-souris. En, en français, c'est féminin. Nous, on, on dit choufèche, c'est masculin. C'est pour ça on a dit Kay, Kijini, parce que c'est masculin. Kijini, je, je le trouve moche. C'est pour ça que je ne l'aime pas. Perroquet. Perroquet, un perroquet. Perroquet. Des fois, c'est chelou le pluriel parce que ça n'existe pas. J'essaie d'inventer. Perroquet, ça c'est rarement utilisé. Vous n'allez même pas l'entendre pendant toute votre vie ici au Maroc. Vous n'allez pas l'entendre. Perroquet. C'est rarement utilisé. Même le, le mot perroquet, c'est rarement utilisé. Perroquet. Mais bref. Des perroquets. Exemple. Le perroquet qui dit qui Le perroquet qui dit Je pense que c'est clair cette phrase. Le perroquet. Il parle. Qui Il parle. B'hel. Comme. B'nedm. L'être humain. Il parle comme l'être humain. Comme l'humain. Donc. Le perroquet parle comme l'humain. Nama. Nama. Une autruche. Namaite. Des autruches. Exemple, nama derdega. Ça, je pense qu'on l'a déjà vu, derdega. Nama, l'autruche. Derdega, ça veut dire elle est courante. Ça vient du mot quand tu cours vite. Donc, il y a un son de tes pas, en fait. Les pas. Vous voyez, donc, ça vient d'où ça vient derdeg. Derdeg, quand on dit derdeg. Soit tape avec tes pieds par terre, sur terre, tu tapes tic, 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 contre la, le sol. Euh, soit tu cours. Donc c'est la même chose. Donc il y a même une danse sur le qaida. Je vais le C'est un, un ustensile qui est comme ça où les femmes lavent les fonds. Euh... Comme un, la lessive donc c'est comme ça qaïda ils met ici ils mettent les vêtements mais quand ils, ils veulent danser euh, même les hommes ils vont prendre le ça ça, ça, ça s'appelle qaïda qaïda ça vient de qaïda la base qaïda ça vient je pense ça vient de ça de la du mot arabe qaïda la base Qaeda donc comme ça et le mec il vient au dessus il commence à faire quoi je pense que, que vous avez déjà vu ça il commence à, à danser en tapant sur l'Qaeda tac 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 avec ses pieds et ça c'est on dit dardig qui dardig qui Qaeda ou là on peut dire qui dardig Fog. ça veut dire au dessus de Fog le Donc nous, on a ces, ces, ces verbes là, ces mots là bizarres qui viennent d'un son. Et des des mots qui viennent de des de, de, de sons, un son de derdeg, tac tac, hen <'es> cherche, par exemple, Charles, c'est Char, -char. char, -char Char, char, qui char char. Si on dit quelqu'un qui cherche ça, ça veut dire il pisse. Donc, pourquoi Parce que quand tu pisses, il y a le son de char, char. C'est pas vraiment char, mais bon, le son de, de la pisse. Donc, qui char, ça veut dire il, il pisse. Donc, euh, voilà. Donc, Melo, on continue. Zarafa. Zarafa, une girafe. Zarafet, des girafes. Exemple, Zarafa, ungha, toil, bzef. Zarafa, la girafe. Ung. c'est le, le cou. Ha, elle. Donc, ungha, son cou. A, elle. il est long. Toil, c'est long. Bzef, beaucoup. Donc, la girafe, elle a. Un gars, la girafe, son cou est très long. C'est ça la, la phrase. Le 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 ça, ça vient de l'arabe. C'est une phrase arabe. Le ça cest dire l'âne, le sauvage. Donc, on l'appelle le zèbre, on l'appelle l'âne sauvage. Parce que c'est un âne. Donc, voilà. Les arabes, voilà, ils inventent. Pas, ils, ils, ils se cassent pas la tête, ils en font pas des trucs bizarres. Un âne qui est sauvage, c'est bon, c'est simple, on va pas se casser la tête. Un zèbre. Donc, l'hémir l'ouachia, des zébre. et ça aussi vous allez jamais l'entendre. Donc, c'est rare, 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 archi rarement utilisé. <laughs> Donc, exemple, l'hémalouachi, Zouen, fait le biote, on le hémar, le wachi, le zèbre, zoin, il est beau, fille en lui, le biod, le, le blanc, et, ou, oh, m'chattat, m'chattat, ça vient de khat, khat c'est très, khat, khat, ça peut vouloir dire trait. et ça peut aussi vouloir dire euh, écriture, donc c'est pas écriture. Écriture, c'est la forme de l'écriture. Donc, est-ce que toi, tu sais écrire ou pas Le, Ton écriture, sa forme, elle est comment Donc, la forme de l'écriture, on, on appelle Khat. On dit Khatak Zouen. Khatak zoin. ça veut dire ton écriture est belle. Ça veut dire la façon dont, ton, euh, euh, dont tu. Euh, N'importe quoi. Euh, la façon dont tu écris. <laughs> Vous voyez le truc Donc Khat c'est très Khatak ça veut dire pencil d'écriture zoin euh, est beau Donc je disais quoi Mkhatat Oui c'est ici ça veut dire il est acheté c est, c est, c est, Je sais pas comment on dit ça mais ce pas des taches comme l'autre, comme le, le guépard et le léopard. Euh, ce pas des points, nos rats, des, des, des cercles, des ronds, je sais pas comment on peut les appeler, mais bon. Mais des traits, voilà, des traits. Il est traité. <laughs> il est bien traité. Il est bien traité par le lion. Il, il, il lui donne tout ce qu'il veut, en fait. À la fin, il le bouffe. Donc. Vous avez compris, donc des traits. Voilà. C'est un adjectif. Ça vient de trait Trait. Belkhel. En noir. Nous, on dit avec le noir. Donc, il est avec le noir. Et l'éléphant. Fil. Ça, je n'avais pas d'inspiration, Donc, euh, j'ai la phrase, il y a deux mots. Fil. Un éléphant. Fille là. Des éléphants. Exemple. Le fil. L'éléphant. Aimlak, ça veut dire géant, gigantesque, grand, mais voilà, euh, énormissime. Aimlak, ça veut dire, il est géant. Aimlak, ça c'est un mot arabe, mais on l'utilise. Jmel, un dromadaire, ou aussi pour le, le chameau, les deux, on, on les appelle jemel. Jmel. j'mel. Euh, pour le pluriel, Jmel jmel exemple jmel qui vit ich sahara jumel qui vit sahara le dromadaire ou le chameau qui 3 il vit qui dans ou sahara c'est le sahara sahara jmel qui vit sahara le chameau vit au sahara donc c'est simple ça, dromadaire. Rzela. Rzela, une gazelle. Rzellet, des gazelles. Exemple. Rzela, Ism, Ala, Moussamma. Rzela, Ism, Ala, Moussamma. Ça, c'est une expression. Ism, Ala, Moussamma, c'est une expression, je vais l'expliquer. Rzela, c'est la gazelle. Ism, un nom. Ala, c'est sûr. Ça, c'est une expression arabe. Ism, c'est pour ça qu'on dit smia. Nous, on dit smia. En marocain, on dit smia. Ça, on l'a appris. Mais en, en arabe, on dit ism. Ism, ça veut dire un nom. Elle c'est sûr. Nous, on dit en marocain, elle a, elle On enlève ce, ce A. Elle a. Mousemma, ça vient aussi de la, de la même racine. Ism, Mousemma. C'est la même racine, sm. La racine, ism. <coughs> J'invente des trucs. Bref. J'ai failli mourir <laughs> à cause d'une invention pourrie. Ah. Euh, bref, Moussamma, c'est le, le, la, la chose appelée. Donc, non, sur Ismaël Moussamma, ça veut dire en gros, en français, on dit sa porte, elle porte son nom. Donc, elle porte bien son nom, c'est Ismaël Moussamma. Donc, le Ismaël euh, on le dit aussi pour une, une, une fille belle. Donc, une fille belle, on dit l'Rzela. Donc, quand je dis l'Rzela porte bien son nom, ça veut dire elle est belle et, et, et son nom, belle. Donc, le nom, la traduction du gazelle, ça veut dire belle. Donc, et elle, elle est vraiment belle. Donc, elle porte, son, elle porte bien son nom. C'est pour ça, Ismaël sur appelé Un nom, un. Un nom sur nommé ou un truc de ce genre. Pour dire que c'est. Le, le, le La chose nommée porte bien le nom. Donc voilà. J'espère que vous avez appris. c'est pas appris, mais compris. Parce que l'apprentissage, ça, ça nécessite du temps et de la répétition. Et vla voilà de choses. Donc, euh, Kangaro. Le Kangaro, c'est un kangourou. Kangaro. Kangarouette, kangarouette, des kangourous aussi. Kangarouette, vous allez jamais l'entendre. Aussi, je l'ai inventé parce que il y a le et à la fin quand tu connais pas le, le pluriel, bah, rajoute et à la fin, ça passe. Des fois ça passe et des fois ça casse, mais la plupart de, du temps bah ça va passer. Exemple, le kangaroo qui pardon, qui Australia. Le kangaroo, le kangaroo, le kangaroo, le kangourou, pardon, l'accent blédard. le kangourou qui il a l'habitude d'être parce que une pourquoi on dit quicon au présent et on dit pas euh, icône. on ne va pas utiliser le mode m on, on utilise le présent comme habitude parce que tu as habitude il a il est il, il a pardon l'habitude d'être en Australie donc c'est une en, en français on dit le Congo est en Australie ou on peut dire il vit en, en Australie nous, on dit « con. On peut dire qu'il est riche, ça veut dire il vit. On peut le dire, mais si on veut utiliser le verbe « être », on va le conjuguer comme ça. « con. le « k » pour l'habitude. Parce que c'est une, une réalité qui change pas, donc c'est une habitude. Donc voilà. Kangaro kikon, Australie. Le kangourou est en Australie ou il a l'habitude d'être en Australie. Parce que si on dit le, le kangourou est en Australie, on va comprendre que on parle d'un kangourou qu'on connaît tous les deux. Et en ce moment, il est en Australie. Ce n'est pas, euh, on, euh, pas euh, toujours. Donc ce n'est pas, pas une réalité. Ce n'est pas en général. Ce n'est pas, on parle en général, de, de tous les, kang les kangourous. C'est juste un kangourou lambda que toi et moi, on connaît. Et il est là en ce moment en Australie. C'est pour ça on dit Kéikoun. Il a l'habitude d'être. C'est pour ça on dit Anna Je suis malade. Et on dit pas Anna Kankoun Si je dis Anna Kankoun ça veut dire Moi j'ai l'habitude d'être malade. Littéralement, c'est ça le sens. Dib. Oh là là. Dib. Un loup. Dieb, les Des loups. Diab. Des loups. Diab. Les loups. Dieb, les loups. Dieb, les loups exemple aziz deep. Et ça c'est vrai aziz aliya aziz il est cher cher il est pour moi il est cher donc c'est pour dire qu'il est c'est on dit cher mademoiselle tatati je t'envoie ce message pour te dire comme quoi je t'aime plus bref donc cher c'est ça aziz il est cher aziz est, est sur moi ça veut dire que je l'aime bien il est, il est cher pour moi. Ou il est cher à moi. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Mais il est cher. Il m'est cher. Voilà. Il m'est cher, le loup. Deep. Je l'aime bien. Ça, c'est. Je l'aime bien. Vas-y, J'aime, j'aime le loup. Euh, D'ba, neri D'ba, m'a dit, je m'a dit. D'ba, c'est gars. C'est ce mot-là, SGA, c'est grave. SGA. SGA. Je pense que j je l'ai déjà traduit, mais je suis pas sûr. SGA. Non, c'est pas avec un R. Ça, c'est vous, vous écrivez le R. Moi, j'écris 3. Il y a des, des gens qui écrivent le R, le 3, R. Même des Marocains. SGA. Il y a le 3, je vais pas écrire le R. SGA, ça veut dire... C'est, comment on va dire, un débile qui est poisseux, mal, mal chanceux, il n'a pas de chance, et qui, qui ramène que des problèmes. Tout ça, <laughs> ça c'est ce Quand quelqu'un te dit ce gars, ça veut dire que tu es nul, es, tu sais rien faire, et, et tu ramènes que des problèmes, et tu es poisseux, tu as de la poisse, et tu portes le, et tu, tu toutes les choses négatives en toi donc ce gars voilà ça ce gars il cherche que des problèmes avec les lions il essaie de leur, de leur voler de la nourriture et après à la fin il finit mort il finit il il, 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 il se il se termine en fait en, en deux deux et il finit par par être bouffé par les lions donc drap drap une hyène chez nous, c en marocain, c'est masculin. Donc ça, on peut enlever le A. Exemple, Neri. Et ça, c'est vrai. Neri, oh mon Dieu, je hais les hyènes. Les Je ne sais pas comment on va prononcer ça. Kankara. Ikra, c'est détester. R. Donc, je hais. Dba, Je hais. L'hyène. Mais on parle, on parle en général. lien on va dire. lien En général. Mais nous, on va mettre le mot au singulier. Même si on parle en général. Donc, écras, d'abar. T'aileb. en un renard. T'aileb des renards. Exemple. T'aileb le noir le renard luno lone ses couleurs et le haut lui à lui donc sa couleur wear er", magnifique trop fort wear er", ça peut vouloir dire plein de choses un truc de ouf il a, elle, etc il est arqué il est arqué c'est en arabe etc il est arqué il a, il a, il a, il a. Et là, je le dis je l'écris comme ça j'aime écrire comme ça vous avez l'image gravée dans votre mémoire. Il a à a, chéré. Il a à ça veut dire il a jusqu'à échère. C'est la fin et c'est le ha à, à la fin. Ça, c'est juste un, une voyelle. Échéré. Euh, le ha à la fin c'est à lui. Donc jusqu'à sa fin. Ça veut dire etc. Jusqu'à sa fin. L expression qui veut dire etc. Jusqu'à sa fin. ça veut dire il a une couleur magnifique. Dire a, une couleur magnifique. Dire a une couleur magnifique. Le renard a une couleur magnifique. Continuons. Doub doub un ours, des des ours, exemple, dub qui éch dub l'ours qui riche il vit dans le les forêts, le pluriel d'une forêt le rabat c'est le la forêt le les forêts, ou et t'a aussi fe dans tilge, la neige, donc il vit aussi dans la neige donc, l'ours vit dans les forêts et aussi à la neige ou dans la neige. Je sais pas si ça se dit en français, il vit dans la neige, mais dans des, dans des endroits où il y a la neige. Mais nous, on dit ça. En marocain, ça passe. Un rhinocéros. Les rhinocéros. Ah, c'est chelou comme ça, c'est un dinosaure, oui. Wahid des rhinocéros, des rhinocéros. Wahid, <laughs> <Des rhinocéros. inaudible> ça veut dire seul. L'okarn, ça veut dire la corne. Il a une corne seule, seule corne. Donc voilà. Je vous ai dit que la, les Arabes, ils inventent pas, ils, ils inventent pas des choses compliquées. C'est simple, ils restent dans, dans les choses simples. Un mec qui a un, un mec, ça, un mec, bref. Un animal qui a une corne seule, une seule corne. bah on va l'appeler le mec seul corne. Voilà. C'est simple. Exemple Wahid Karn, Koui Bzev. Wahid Karn, le rhinocéros, Koui. Ça est fort, il est fort, musclé, il est bien. Koui, ça veut dire il est fort. Bzev. Koui, il y a aussi Scheh. En marocain, Scheh. Scheh Bzev. En arabe, Koui Bzev. On utilise aussi, en marocain, on peut utiliser « Donc, c'est pas juste « arabe »,« arabe ». Des fois, je mets des, des mots arabes qu'on utilise, nous. So, on utilise souvent. Sinon, s'il n'y a pas le mot marocain, bah, c'est normal qu'on va utiliser le mot arabe. Donc, je, je partage le mot arabe. Faras, « nahar ». Faras, « nahar ».« Nahar », c'est la rivière. Faras, ça veut dire « un cheval ». Donc, ça, pour les arabes, c'est un cheval. Un cheval de rivière. Donc, l'hippopotame. Ça, c'est son, son nom. Il porte, il porte ce nom-là. Il porte bien ce nom-là. Mais ça, non, frère. Non. C'est une bagara. Une bagara de, de, de rivière. <laughs> une bagara de rivière, ça passe. Une vache. Bugara, c'est une vache, donc ça passe. Mais Faras, frère, qu'est-ce que tu racontes Ça, c'est un, un cheval. Exemple Farasnar, Bzev. Donc ça, c'est elle m'est venue en tête quand j'ai vu le mec. Là, c'est la phrase qui, qui m'est venue en tête. C'est Farasnar, l'hippopotame, Rhlaed. Il est gros. Gros, Bzev. Trop gros. Ça, c'est pas un cheval, frère. C'est une vache. Une vache de rivière. Voilà. Corrigez-vous. Timsay, un crocodile. Timsay, crocodile. Tiens, des crocodiles. Exemple, Timseh khatar, sahib. Ça, il une virgule ici, parce qu'on doit s'arrêter après continuer. Alors, ça, c'est un adjectif, ça, c'est un adjectif. Donc, Timseh, le crocodile, khatar, il est dangereux. Khatar, ça veut dire dangereux. Saïb, ça veut dire difficile. Mais pas pour dire difficile, ça veut rien dire. Comment ça, le crocodile est difficile Mais on dit des fois difficile pour des choses qui critiquent. Critique, dangereux, qui voilà, ça craint en fait, ça craint, ça on dit ça Par exemple, aussi pour une, une, une personne, ton, ton père il est sévère, on dit ça Saeb, il est difficile pour dire sévère. Voilà. Donc j'essaie de diversifier le, le vocabulaire, comme ça vous apprenez plus. Agarb, agarb. Agarba. Choisissez ce que vous voulez dire. Les deux veulent dire la même chose. Agarab, agarba. Moi, je dis agarba. Pour moi, c'est facile. Agarba. Un scorpion. Agarba. Des scorpions. Exemple. L'agarba. L'agarba. fils sem. Le scorpion. Fille en lui sem. Ça veut dire le venin. Le sem. Ah. Tu me fous le sem. C'est ça. Le sem, ça vient de sem. Le mot sem, ça vient de sem. Et sem, ça veut dire le venin. Donc, tu me fous le sem, ça veut dire tu me fous le venin. Ça veut dire tu me butes. Je, je brûle de l'intérieur. Donc, l'agrab fait sem. Le scorpion, en lui, il y a du venin, donc il a du venin. Il peut te buter ta race, ok? Si tu apprends pas bien cette leçon. Le phare, <laughs> le hench. Donc le phare, c'est féminin. Le hench, c'est masculin. Mais ça ne veut rien dire avec le sexe. Le sexe de, de, du serpent. Rien à voir. C'est juste deux mots qui ont un, le même sens, mais le genre est, défi, est différent, pardon. Donc le phare, c'est le serpent. Le hench aussi, c'est le serpent il fait pardon on dit lfae on peut aussi dire lfaei on rajoute un i soit le lhnach le plus utilisé c'est le hnèche. lhnch hnèche. lhnch hnèche, le serpent qui il fait peur ni moi il me fait peur l qui l le serpent me fait peur Card. Ah ouais, ça, je n'aime pas du tout. Card, un singe. Caroda, des singes. J'aime pas l'animal intelligent. Ça craint, ça craint. Un animal est intelligent, ça craint. Il peut faire des dingueries. Donc, Caroda, des singes. Quand je les vois, bah je, 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 je fige. Donc, je m'arrête je, je et c'est bon. Je ne peux, peux pas bouger parce que le, le fils de chien, il peut, faire, il peut faire des trucs. Mais bon, je ne vais pas en parler parce que c'est n'est pas bien. Parce que j'ai déjà vu des vidéos. Il peut te, te violer <laughs> en deux-deux. Donc, je ne l'aime pas, pas. Le singe, c'est frère. Je n'aime pas les singes. Je n'aime pas les ah, oh, le gorilla ça, ça on n'en parle même pas. La gorille. Donc, gorilla. On dit gorilla. Gorilla. Une gorille. Gorilla. Ro Rorillette. Des gorilles. Exemple. Gorilla. Ah ouais, gorille. Frère. Comment ça... Il te bouffe. La gorille. Méchante. Elle est méchante. Beaucoup. Elle est très méchante. Donc, j'espère que vous avez appris des choses... Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum. Ciao, ciao.